suis lozérien, j'étais en Lozère et quand j'ai appris la première manifestation sur le climat, je me suis dit, zut, je ne peux pas y aller. Et comme là, il se trouve que je suis descendu à Balaruc, je suis venu spécialement de Balaruc pour assister à cette deuxième manifestation qui me paraît tout à fait importante parce que les citoyens doivent aujourd'hui se mobiliser et il n'y a que la mobilisation des citoyens qu'il faudra faire pression sur les politiques, c'est-à-dire qui aidera plutôt les politiques à lutter contre les lobbies parce que le combat lobby citoyen est complètement asymétrique. Donc il faut qu'on aide nos politiques qui sont sous l'influence des lobbies. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé sur le glyphosate récemment, hein, où Hulot a eu tort contre Travers. J'ai suivi la chose d'assez près. Hein, c'est complètement scandaleux. Donc seule une mobilisation citoyenne peut faire prendre conscience de l'environnement au sens large, parce qu'on parle du climat, il y a plus que le climat. Il y a toutes les saloperies agricoles. Actuellement, il y a des enfants qui naissent ici à Montpellier avec des malformations. Il y a qu'à voir le professeur Sultan, ce qu'il dit sur le sujet. Je ne parle pas de l'amiante, des perturbateurs endocriniens, sans parler de la taxe sur les transactions financières qui date de 1998 à la naissance d'ATTAC. On est 20 ans après et c'est toujours pas fait. C'est l'histoire du tango argentin. Tout ça est parfaitement scandaleux. Donc il faut que les citoyens s'imprègnent de tout ça, mais qu'ils aient aussi l'humilité de reconnaître qu'ils sont très peu informés. Et ils sont très peu informés parce qu'ils ne s'informent pas eux-mêmes. Parce que ce n'est pas en regardant aujourd'hui la télévision qu'on va être bien informé. Si au contraire, en creusant, en échangeant, en acceptant des opinions contraires, que petit à petit, moi j'ai cette phrase d'Edgar Morin quand j'étais à Paris, j'ai vécu 40 ans à Paris, où un jour il disait, quand on fait une découverte, c'est un îlot de connaissances dans un océan d'ignorance qui s'agrandit. Donc je crois qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître que nous sommes de grands ignorants, qu'on va solutionner ça avec des yaka-faucons et que lorsqu'on tape sur les politiques, il faut d'abord taper sur nous-mêmes parce que nous sommes bourrés de contradictions dans nos comportements de tous les jours. Didier Latorre, bonjour. Grand rassemblement aujourd'hui aussi pour les anti-nucléaires lors de la marche pour le climat. Oui, bonjour. Ouais. Oui, effectivement, c'est important qu'on soit là parce que face à la propagande d'Orano et du lobby du nucléaire qui veulent nous vendre un nucléaire non carboné, on est là pour dire que le nucléaire est carboné du début à la fin de la chaîne. L'extraction, les transports, tout le process de transformation. Et puis pour dire que le nucléaire est une énergie qui, au niveau mondial, est totalement à la marge puisque c'est 2,5% de l'énergie consommée au monde. Donc si on veut jouer sur le dérèglement climatique, c'est pas sur le nucléaire qu'on peut s'appuyer. C'est vraiment un énorme mensonge. C'est pour ça que tous ces gens sont là aujourd'hui, pour dire effectivement, il faut arrêter d'extraire les fossiles. L'uranium est un fossile, et l'uranium est le plus dangereux des fossiles. Donc il faut se tourner vers des économies d'énergie absolument considérables. C'est pas ce qu'on est en train de faire. On est en train de nous vendre maintenant la voiture électrique. On installe des panneaux vidéo dans toutes les villes, il y en a partout. Voilà, on est face à des pouvoirs publics qui font croire qu'ils agissent, mais qui en fait continuent à nous faire surconsommer. Il faut arrêter avec la
surconsommation, c'est la seule solution. On est quand même à une période majeure de l'histoire de la planète. Hein. On est face à des dangers, mais considérables. Que va-t-on offrir aux générations futures? Quel monde va-t-on leur offrir? Et on est là pour dire qu'il faut arrêter d'extraire de manière inconsidérée du fossile, quel qu'il soit charbon, qu'il soit gaz, qu'il soit pétrole, qu'il soit uranium. Voilà. Et qu'il faut maintenant revenir à, à une vie un peu plus normale. De quoi a-t-on besoin réellement? De quoi a-t-on besoin? Laissons aussi la possibilité à des pays de se développer et à croître, ce qui veut dire que nous, il faut forcément qu'on décroisse un peu. Il n'y a pas de solution. Le gâteau, on ne peut plus le diviser au bout d'un moment. Il faut laisser aussi de la place aux autres, aux territoires qu'on a colonisés depuis des siècles. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un changement de mentalité. Et je pense que ce n'est pas un hasard si ces mobilisations se produisent aujourd'hui, parce qu'on voit que on va absolument dans le mur, mais les mesures ne sont pas prises. Et on est face à des pouvoirs publics, en France, c'est tout à fait emblématique de ça, qui veulent continuer à faire marcher le monde de l'industrie, les transports, les milliers de transports sur route. C'est totalement scandaleux. C'est là qu'il faut jouer pour éviter le dérèglement climatique. Contre le réchauffement climatique. Ben moi, je suis vraiment très très satisfait, ravi, content, tout ce qu'on peut dire. On a le sourire parce que les gens se mobilisent pour le climat depuis quelques mois, notamment après le départ de Nicolas Hulot. Ça a été le départ de quelque chose qui est vécu par beaucoup de citoyens comme étant une nécessité à agir. Et la dernière fois, il y a quelques semaines, on était un petit millier. Aujourd'hui, on les compte plus, les personnes. Je ne sais pas combien on a estimé, mais... Justement, combien? Moi, je dirais il y a 3 fois plus de monde que la dernière fois. Il y a toujours beaucoup de jeunes, beaucoup de familles. Et vraiment, je trouve que c'est une mobilisation qui nous met... qui nous permet de voir les choses autrement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vraiment, qui maintenant ont envie de se bouger. Il y a des lambda, mais il n'y a pas beaucoup d'élus. Il y en a quelques-uns, peut-être. Sûr. Mais c'est aussi le propre du mouvement citoyen de se suffire à lui-même et de pouvoir faire bouger les autres. Donc les élus, ils vont suivre si ça bouge à la base. Hein. La marche pour le climat, c'est une vraie réussite. Nous, en tant que jeunes européens, on est engagés pour la question européenne. À l'heure actuelle, pour tout ce qui est des questions climatiques, on ne peut pas régler la question à l'échelle nationale. L'Europe, c'est un bon échelon pour régler la question climatique. Donc nous, en tant que jeunes européens, ça nous paraissait très important de venir aussi pour cette marche sur le climat. Et voilà, on trouve que aussi aujourd'hui à Montpellier, c'est une vraie réussite. Donc bravo aux organisateurs et puis bravo aux citoyens qui se mobilisent aussi pour le climat.
L'écologie, c'est une question qui doit être réglée à un échelon plus large que l'échelon national. En France, on le voyait très bien avec les différentes pressions qui pouvaient s'exercer sur le ministère avec Nicolas Hulot. Il ne pouvait pas régler les questions tout seul. Il est obligé de partir avec les autres pays européens pour faire ensemble et faire avancer les démarches sur la protection du climat et sur le réchauffement climatique. Tout seul, on peut pas y arriver. On est obligé vraiment de s'unir ensemble. Et même l'échelon d'Europe, il n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on est obligé aussi de s'unir au niveau mondial. Parce que si au niveau mondial, on a la Chine ou les États-Unis qui font n'importe quoi, bah, l'Europe, elle aura beau avoir plein de bons exemples, bah, ça ne servira pas. Donc, en résumé, nous, citoyens, informons-nous, réfléchissons. Mais j'ai toujours en tête cette pensée d'Henry Ford. Pourtant, ce n'est pas un exemple. Henry Ford, du début du XXe siècle, les hommes préfèrent mourir que réfléchir. Je crois que ça mérite un peu de réflexion.